Journée de fête pour le royaume hachémite de Jordanie jeudi 1er juin 2023. En effet, le prince héritier Al Hussein va dire oui à la femme qu'il aime, Rajwa Al Seif. Le mariage aura lieu au palais Aran, à Amman. Invité à cette union, Kate Middleton et le prince William n'auraient pas donné s'ils comptaient être présents ou non. Seulement, la veille de la cérémonie, le couple a été vu à l'aéroport d'Amman. Tout laisse donc à penser qu'ils seront présents pour assister à ce mariage alors qu'ils n'auraient pas voulu y être pour ne pas voler la vedette aux jeunes époux. William et Kate n'ont encore assisté à aucun grand événement royal à l'étranger, je pense que si est en partie parce qu'ils savent que leur présence attirerait beaucoup l'attention des médias, avait écrit le blogueur Jer Royals le 15 mai 2023. Il avait assuré que les Edinburgh seraient les représentants probables de la famille royale britannique à la cérémonie. Selon les informations du Daily Mail, datées du jeudi 1er juin 2023, le prince et la princesse de Galles seront bien présents pour cette union. Seulement, la présence du couple fait polémique au Royaume-Uni. En commentaire des vidéos partagées sur Twitter, les internautes ont fait part de leur colère de les voir assister à ce mariage. La présence du prince et de la princesse de Galles a fait polémique, je suis choqué, honnêtement, peut-on par exemple lire. D'autres au contraire se sont montrés plus enthousiastes. J'espère qu'ils resteront pour la réception afin que nous ayons une séquence, de Kate Middleton, avec un diadème, oh mon Dieu, si est-il en train d'arriver. Que tout le monde reste calme, oui, je suis trop content, ou encore si est-il tellement excitant. Nul doute que la présence des amoureux risque de faire beaucoup de bruit. À propos de l'auteur Marine T. Incollable sur les faits divers ou la politique, je suis servi en écrivant pour Closer depuis 2019. Passionné par les séries, je suis également très attentive aux actualités des personnalités, surtout françaises. Ces derniers articles et procès Jean-Marc Morandini, après, ça a vraiment dérapé. Ces faits dérangeants qui lui sont revenus. Meghan et Harry, nouvelles déconvenues concernant leur fils Archie Bruce Willis et Emma Emma, ils fêtent les 11 ans de leur fille Mabel Ray, une touchante vidéo. Times through the rough times I